Qu'est-ce qu'il y a chaud? Voilà, nous sommes sur le chantier, le terrain que le Seigneur, par sa grâce, a bien voulu accorder à l'église de Gagnois, le réveil international Jésus revient. Alors voici l'état d'avancement du préau. Ça, c'est un préau en attendant que le temple soit construit. Et le Seigneur nous a mis à cœur de faire ce préau pour commencer les cultes ici. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, peuple de Dieu, pour votre vie. Parce que vous ne cessez de nous soutenir depuis le début. Vous ne cessez de prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous vous remercions, nous vous bénissons. Et sachez que chacun d'entre nous a eu à apporter à l'œuvre du Seigneur. Et si aujourd'hui nous sommes à ce stade, si aujourd'hui nous sommes en train de faire ce préau, c'est grâce à tous, c'est grâce à l'effort de tout le monde. Et tant au niveau spirituel qu'au niveau matériel que financier, et nous voulons bénir le Seigneur pour votre vie parce que aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons ce lieu où nous pourrons à tête reposée tranquillement, adorer le Seigneur et mener nos activités. Donc voilà, depuis hier, nous sommes sur le terrain pour les travaux du préau. Aujourd'hui, la toiture sera mise et voilà, l'aménagement du préau où nous allons faire le culte va effectivement démarrer. Voilà, nous voulons dire merci au Seigneur pour toutes ses grâces, pour tous ses bienfaits. Lui qui ne cesse de faire avancer son œuvre, lui qui est au devant de ce réveil. Voilà, et il a aussi bien dit qu'il est le maître de ce réveil, c'est lui qui conduit ce réveil. Et nous voulons bénir son Saint-Nom. Nous saluons au passage tout le peuple de Dieu de par le monde entier. Toutes les églises du réveil international, Jésus revient. Toutes les personnes de près ou de loin qui nous soutiennent en prière. Et aussi tous les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu du réveil international, Jésus revient. Soyez bénis, soyez bénis. Tous les hommes de Dieu aussi qui collaborent avec le réveil international Jésus revient, tous ceux avec qui nous échangeons et qui ont de bons rapports avec nous. Nous voulons aussi passer le shalom à tous nos ennemis, tous ceux-là qui s'élèvent contre nous aussi dans le secret. Nous vous disons shalom et que le Seigneur vous bénisse également. Nous prions seulement qu'il fasse en sorte que bientôt vous soyez comme nous. Vous soyez aussi comme nous, touchés par la sainte doctrine et venez adorer Dieu avec nous aussi comme on le fait. Voilà, peuple de Dieu, nous voulons vraiment partager avec vous ces moments. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Shalom, 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 shalom.